Salut, salut tout le monde, c'est Milly, bienvenue sur Millidée, la chaîne Empowerment et Lifestyle. Alors, je reviens vers toi avec une nouvelle vidéo, puisque la récente vidéo que j'ai faite, je dis beaucoup le mot de vidéo, hein, la récente vidéo que j'ai faite, l'intention n'est pas l'action, a suscité pas mal de réactions, et du coup, je voulais papoter un petit peu avec toi, parce que le message, c'était vraiment de faire en sorte qu'on puisse passer à l'action, c'est clair. Mais ce que je ne souhaite pas, c'est que tu sois trop dur avec toi-même. Puisque c'est vrai que des fois, on se fixe des objectifs, qu'on se dit, tiens, je vais faire ça, etc. Et que pour des raisons diverses et variées, qu'on ne passe pas nécessairement à l'action. Mais ce que je veux que tu saches, en fait, et que tu comprennes, c'est que des fois, la raison pour laquelle on n'agit pas, parfois, c'est la peur. Mais c'est aussi une manière pour nous, sans s'en rendre compte, de faire de l'auto-sabotage. Je t'explique. Il faut que tu puisses comprendre, vraiment que ce que tu as, la personne que tu es, est un trésor. Tu es rempli de talents, de possibilités illimitées, mais vraiment illimitées. Et souvent, la personne qui va te bloquer, c'est pas la personne qui t'a dit que tu pouvais pas faire, c'est pas la personne qui s'est peut-être moquée de toi, c'est pas la personne qui t'a rejeté ou quoi que ce soit. Souvent, c'est toi. Parce que le regret, les commentaires désagréables ou les limites que les personnes peuvent nous fixer parfois ne sont pas figées, en fait. Elles ne deviennent figées que si on les autorise à être figées chez nous, d'accord? Dans nos pensées. Et ce que je tiens à ce que tu saches, c'est que tu as vraiment un savoir, des talents, et que parfois tu es juste tout simplement assise sur des talents. Peut-être que tu ne sais pas exactement comment t'y prendre, peut-être que tu ne sais pas exactement par où commencer. Mais la vérité, c'est que pour commencer, il faut tout simplement commencer. Pour commencer, il faut peut-être le faire avec la peur, avec les doutes, avec les questionnements, mais c'est les actions en fait qui vont nous permettre de trouver des solutions. C'est quand on agit, c'est quand on est dedans qu'on peut vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire ou pas. Mais tant que tu seras dans le doute, dans le questionnement et dans la réflexion, tu ne sauras pas. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui à agir. À agir par amour pour toi. À agir par amour pour les autres, parce que comme je te le dis souvent, ce qui nous permet d'avancer, c'est de savoir ce qu'on veut, d'accord, de se dire un oui inconditionnel également, et aussi le pourquoi. Si tu sais ce que tu veux, si tu te dis un oui inconditionnel et que tu sais pourquoi, ne t'inquiète pas, tu pourras trouver des solutions. Et des solutions, il y en a plein. Donc s'il y a peut-être une chose qui n'a pas fonctionné, tu trouveras une autre option, mais sache que tu as la possibilité d'avancer et d'y arriver. Je crois en toi, comme je te le dis. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager, à la commenter et à nous rendre visite sur le site internet www.millidée.com. Si ce que je te dis t'a plu, eh bien, viens à l'atelier Summer Edition. Il y a celui qui va se faire en Guadeloupe en présentiel, mais j'ai également pensé aux personnes qui n'ont pas la chance de venir sur l'île Papillon pour voir les super, hyper beaux cadres qu'il y a, franchement, et qui souhaiteraient y participer. Donc, c'est possible le vendredi 4 août. Je t'invite à t'inscrire d'ores et déjà. Tu peux le faire. Rejoins-moi et ensemble, on va rafraîchir notre vision, faire fondre nos barrières et nous envoler vers nos rêves de façon ludique et pratique. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai hâte de te revoir. Jusqu'à la prochaine vidéo, en cas faisant belle gobo si vous êtes jaconnette. Et en cas de zot à Dompita. Bye bye.